Bonsoir tout le monde, comment allez-vous? Attendez, je modifie un tout petit peu la chatbox. Voilà, comme ça, normalement, vos messages vont rester affichés. Coucou Missou, coucou Osk, coucou Missioko, comment ça va tous les trois? J'espère que je ne me suis pas fail. Si ça veut bien. Ça n'a pas l'air d'afficher. Qu'est-ce que j'ai branlé? Mais je suis trompée de lien. Quelqu'un peut écrire quelque chose, s'il vous plaît? Même de la merde. Enfin, pas de la merde, mais... Vitef. Ah, ça y est. Ah, non, ça va pas du tout, là. On voit que Missou. Ça y a un petit problème dans la matrice, je pense. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Pourquoi ça fait ça? Pourquoi? Ça marchait avant? Ça ne marche plus! C'est peut-être parce que j'ai mis ça. Attendez, on va remettre en défaut. C'est ton kiki non tout de même. Voilà. Et cette fois, réécrivez un truc, s'il vous plaît. Pardonnez-moi de ce... Voilà. Voilà, c'est bon. C'est bon, vous êtes là et vous restez affiché. Merci pour avoir écrit un truc, Didi. Re, bonsoir à tous. Et j'ai oublié le fameux mi d'introduction. Voilà, ça va être le rituel, je pense. Oh, qu'est-ce que vous êtes comiques, les gars. Oh là là. Et coucou, Didi. J'ai oublié de dire coucou à Didi. Non, mais ça va, on a compris, vous avez écrit le truc. Merci, quoi. Hop, on va remettre la musique de merde des Sims. Là, il peut commencer, on a eu le mi. Exactement. Il faut que je le fasse à chaque fois. Il faut que je prenne le réflexe de le faire à chaque fois. Ouais, je sais, c'est intense. Alors, bah on va jouer. Qu'est-ce que vous en pensez? Désolée pour le bruit. En fait, j'ai Voltali sur mon micro et il pendouillait sur ma main. C'était pas terrible. Si vous ne voyez rien, c'est normal. Alors, petit récap. Donc, Lulabiz Live est une série participative où vous pouvez m'envoyer des familles et des constructions. Toutes les règles, entre guillemets, sont inscrites sur le Discord. Donc, n'hésitez pas à rejoindre Discord. D'ailleurs, petite nouveauté, vous pouvez avoir le lien du Discord juste en tapant la commande. Point d'exclamation, Discord, et Monsieur Botrix va vous donner le lien. Et si vous voulez avoir le lien vers mes réseaux, vous mettez point d'exclamation, réseau, avec un « et ». Et vous pouvez aussi changer votre couleur de pseudo, les gars, en cliquant sur « Identité du chat », juste à côté de « Envoyer un message ». Voilà. Cadeau. Ah, ça marche aussi quand on met un espace énorme. Voilà, vous avez le... Vous avez ce qu'il faut. Bref, je ne suis pas coiffée comme d'habitude. Je suis en pyjama comme d'habitude. Et on va se mettre ici. Voilà. Alors, j'ai... Ah, j'ai oublié de vous faire un screen de Lulabi Bambin. Bah voilà, bah elle est là. Hein. Oh la gueule. C'est ça que j'ai oublié de faire. Je savais bien que j'ai oublié un truc. J'ai refait un petit peu sa chambre, vite fait. Bon, c'est très, très pauvre. Hein. Elle aura une grande chambre quand elle sera enfant. Elle ira là. Ça va être une princesse, moi, je vous dis. Alors à la base, son père était en train de jouer avec elle à la poupée. Mais je me suis absentée 2 minutes pour aller placer une autre famille. Et il s'est barré pour regarder la télé pendant que sa femme est sur le PC. Non, mais la gueule des parents, quoi. Hein. Oui? Ah, pardon, excusez-moi, je vais vous laisser seule un instant. Je dois aller donner de l'eau à mon homme qui ne peut plus marcher, donc c'est un peu embêtant. Je reviens. Thank you.
nous sommes de retour. Avec un chat. Ton cul dans mon nez, sérieux? Où est le gros pépère? Il veut de l'attention. Alors, je suis désolée, je dois lui en donner. Donc, on va attendre un peu qu'il en ait eu assez. Voilà, c'est ça d'être soumis à ces animaux. Un gros chat, tu perds tes poils en plus. Bah oui, hein, t'es malheureux. Oh là là. Oh la pauvre bête. Pauvre bête. Ah oui, je voulais vous dire, il n'y a pas de... Il y a de rediff sur Kick, mais il n'y a pas la possibilité d'exporter sur... Il perd vraiment ses poils de fou. D'exporter les vidéos sur YouTube. Donc il faut que j'enregistre le truc et qu'ensuite je l'upload sur YouTube. J'espère que ça va pas nous faire des gros bugs. Coucou Kiki, j'ai cru apercevoir ton pseudo. Il y a un gros cul de chat devant. Hein? Hydromel. Oh là là. Oh la pauvre bête. La pauvre bête qui met ses poils dans mon verre d'eau. Tu veux pas dégager? Tu pouvais pas venir faire ton câlin avant? Comment tu vas, Kiki? Voilà, c'est bon. Il est vautré devant le clavier, ça va être pratique. Moi, je vous le dis. Oui, bah, ça va, j'ai juste un gros chat qui demande de l'attention. Bref, qu'est-ce que je disais? Je disais. Alors, pendant que vous êtes là, est-ce que ça vous plaît le... Comment je peux dire? J'ai perdu le mot. La disposition de la scène de jeu comme ça. Genre, il y a le jeu en grand et il y a les hashtags, il y a tout ce qu'il faut et il y a ma tête et je cache pas trop de trucs. Est-ce que ça vous plaît ou est-ce que vous préfériez avant? Parce que dans le carré, je trouve ça un peu petit. C'est joli, mais je trouve ça un peu petit. Donc, je voulais essayer comme ça. Ça nous plaît. Bon, c'est très bien alors. C'est très bien si ça vous plaît. Je rappelle que quand on aura 75 followers, je pourrai activer les abonnements. Regardez un cœur qui passe. Oui. Bon, je peux pas faire grand chose parce qu'il s'est installé en fait. Il est à moitié sur le clavier, à moitié sur la souris. On adore ce chat. Tu as un gros cul, Hydromel. Un énorme fiac. On dirait ta mère. C'est moi, sa mère. Donc ouais, je suis partie 5 secondes dans une autre famille. Mais arrête de me donner des coups de queue maintenant. Mais ça suffit. Quel relou. Pardon. Et monsieur est parti jouer à la télé, là. Ça ne veut rien dire. Et voilà, il se casse. Tout ça pour ça. Qu'est-ce qu'il a vu? Je sais pas ce qu'il a vu, il a pété un câble, il est parti comme une furie vers la porte. Il a dû voir un chat passer, peut-être. Devant moi, c'est très drôle, j'ai trois verres d'eau, genre un tout petit, un moyen et un grand, c'est n'importe quoi. Je vous raconte ma vie, vous êtes contents, j'espère. Bon voilà, alors, j'ai monté un peu les compétences de Lulabi, mais je me suis dit que si je les montais toutes, on allait se faire chier, hein. C'est quoi ça? Première amie d'enfance, trop bien. Donc le programme... Elle est pas contente. Qu'est-ce qu'elle a? Épuisée. Putain, mais il est 13h. On vient de commencer. Non mais c'est ça. On vient de commencer, wesh. Bon, je vais m'autoriser le code. Comme ça, on va pouvoir jouer un peu parce que ça va 5 minutes là. Voilà. On vient de commencer et elle est déjà crevée. Non mais c'est quoi ça? C'est quoi ce gosse? Non mais fais pas ta colère, Jacqueline, ça va bien se passer. Hein? On peut faire un truc du style arrête de chialer, Pénélope. Bon. On va jouer avec elle. Voilà. Si elle veut bien. Donc je vais monter la compétence mouvement, communication, et puis le reste, bah, ça monte tranquillement. Moi, ouais, c'est pas un challenge, donc on s'en fout. Et
Je voulais dire un truc et j'ai oublié. Ah oui, à propos de la communication. Alors, il n'y a plus babiller. Enfin, il y a babiller quand vous avez le temps. Voilà, maintenant j'ai parlé, mais il y a babiller une fois et après ça bug et ça affiche plus babiller. Donc, pour ceux qui rushent le sans bébé comme moi, vous pouvez faire un câlin. Ça monte la communication, mais ça la monte de 10-20% à chaque fois. Donc, c'est rapide. Extrêmement rapide. Comme glisser, c'est plus rapide que grimper. Voilà, vous le saurez. Ça monte le curseur pareil, mais l'action est plus rapide. Ouais, c'est pour ça que je voulais la peluche, moi, parce que parler, c'est bien gentil, mais ça dure trois plombes. Je sais pas, les toboggans? Bah si, tu dois en avoir un. Il n'y en avait pas un dans le jeu de base? Il n'y a pas un toboggan dans le jeu de base. Attends, tu me fous le doute, là. Comment se fait ça? Ils ont mis ça dans... T'as les cubes, ouais. La piscine. T'as pas un toboggan? Ah non. C'est dans le kit de merde des bambins? D'accord. Oh, les radins. Bah, rip. Rip. Achète. Achète, Kiki. Donc on va un petit peu monter ses compétences tranquillement. Il est vendredi, donc il passe un petit moment en famille. Et je pense que le lendemain, on ira au parc et on va voir... Bah tu vis chez tes parents, demande à tes parents la thune. Voyons. C'est pour mon anniversaire, je veux des toboggans pour les bambins. Il me dit, mais qu'est-ce qu'il raconte lui? Bref, et le samedi, on ira au parc et on verra qui y aura. Je vais inviter personne, ce sera un peu au petit bonheur la chance, je sais pas. J'espère que les Sims viendront et que ça sera pas des Sims random. Mais je pense pas. Enfin, j'espère pas. Enfin, on verra. Mais... Ou peut-être qu'on ira tout à l'heure si j'ai envie. Bon, là, il joue. Adore qu'on la porte. Ah oui, c'est vrai. Oh, puis elle est difficile pour la nourriture. Elle est chiante, hein. Elle va nous faire chier. Elle va nous faire chier, cette petite conne. On va étudier les formes parce qu'elle voudrait étudier les formes, apparemment. C'est quoi ça? Apprendre à courir. Ben, techniquement, elle peut courir. Elle a la truc à fond, là. Ah, ben voilà, courir partout. Vas-y, cours partout. On veut débloquer ça, non? Elle est partie courir dehors. Hein. Non, ça va. Je suis tombée. Ah, pas dans la rue, enfin! N'importe quoi! Bah, elle court bien, hein? Arrête de courir! On va lui enseigner les formes. Vite fait. Non, ça pourra pas être les parents d'Iléas, ça c'est sûr, ils ne sont pas là. Qu'est-ce qu'il veut, lui? Bah non, mais t'es... C'est pas sa femme? Chantal Roux? Non? Je sais plus. C'est sa femme, hein? Non, elle s'appelle Chantal, mais leur nom de famille, c'est Roux, mais j'ai oublié, je crois que c'est Mathieu, mais je sais plus si c'est sa femme. Parce que si c'est sa femme et que je dis, si j'étais toi, je passerais pas du temps avec ta femme, c'est chelou. Mais si c'est pas sa femme et que je dis, je crois que tu devrais te lancer, c'est pas ouf non plus, j'ai pas envie de faire des divorces. Mais ils sont pas censés faire ça. J'ai désactivé les histoires. Je sais pas. Faudrait que mamie soit là, mais évidemment, elle n'est pas là! Ah. Bon, bah, je sais pas. Voilà. Attends, mais. Bah, non, c'est Mad Bonnet, donc c'était pas du tout sa femme, hein. Oh! N'importe quoi. Non, mais. C'est lourd, hein. Tu fais des Sims, tu te fais chier à faire des histoires, à faire des familles. Et le jeu te nique tout. Non mais t'es censé apprendre les formes à Lulabi. Qu'est-ce que tu fais là? T'es con toi?
Bah, elle apprend toute seule, visiblement, la gosse, hein. Bon. Quoi qu'il en soit, tu vas aller prendre une douche. Et on va emmener lui l'habit, on va la changer. C'est dans quoi déjà? Changer la tenue. On va lui mettre sa petite tenue d'hiver parce que bon, bah, il fait froid quand même. On est en hiver, je vous rappelle. Allez, arrête de jouer avec les cubes là. En plus, il pleut, c'est parfait. Ah non, mais c'est méga relou. C'est méga relou. Ça sert à quoi de faire des histoires si le jeu nous nique tout? Et on va aller au parc. J'espère qu'il y aura des gens. Il est quelle heure? 17h. Bon, on verra. Alors, j'ai mis un petit parc. C'est pas moi qui l'ai fait. J'ai juste fait 2-3 modifs histoire qu'il y ait des jeux pour les gosses. Mais, si vous voulez en faire un. Un parc pour enfants et bambins, comme ça il pourra nous servir plus tard. Vous pouvez. Alors là, c'est un terrain 30 x 20, mais si vous voulez faire un plus gros terrain, vous pouvez, hein. Pas de soucis, Miss Yoko, il y aura la rediff sur YouTube, t'inquiète pas, prends soin de toi. Ne t'inquiète pas, il n'y a personne dans ce parc de merde. Il n'y a pas un rat mort. Si, il y a une enfant. Ah, c'est Svetlana. Mais on s'en branle! Il y a un enfant, il n'y a pas de bambin! C'est nul! Mais je veux des bambins! Ça sert à ça normalement, les parcs! Qu'est-ce qu'il faut? D'accord! D'accord, très bien! Ah! Yatina! La mère de Svetlana qui a l'air au bout de sa vie, la pauvre bichette, là. T'as pas intérêt à détruire la maison, hein. Je te préviens. Non, c'est bon. Mais qu'est-ce qu'elle fait, elle? On est où, là? Elle vient se foutre à poil dans un parc où il y a des enfants. Mais enfin, madame! Mais rhabillez-vous, espèce de dévergondée! Mais elle est folle! Vite, on va se présenter grossièrement et lui dire de se rhabiller à cette vieille taupe. Mais c'est n'importe quoi, j'en peux plus! Ah, c'est bon, elle s'est rhabillée. Non, mais c'est, non, mais n'importe quoi! Bon, en tout cas, y a pas un rat, hein, y a pas un putain de bambin. Hein. Bon, les enfants, il n'y a pas d'enfants. Il n'y a que des pervers. Ben, c'est super, hein. Oh là là. Allez, joue dans la piscine à boules. Je sais pas s'il y a des clips. Il y a peut-être moyen d'en faire, mais je sais pas comment. Oh non, mais... Après, tu pourras faire des clips sur YouTube si tu veux. Bah, je comprends pas ce qu'il faut pour. Parce que là, on est à fond dans le mouvement, hein. Bon, allez, le contrôle des émotions, c'est pas ça. Bon, elle est contente, elle joue dans les boules, mais seule. Seule au monde! Y a rien à faire, je suis seule au monde. On va quand même pas attendre d'être enfant pour se faire des potes, quand même. C'est nul. J'en ai déjà fait en plus un parc pour les enfants. Je peux te dire qu'il y avait plein de bambins qui venaient. Je suis pas folle. Non mais c'est ouf. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Faire une chaise par terre? Bah non, pas trop. Bon, bah je suis déçue. Coucou mamie! Ça va? Mamie, on a un problème, hein. Il y a ton... Sims, Mathieu Bonnet qui a demandé à mon Sims s'il pouvait aller fréquenter une autre gonzesse.
Comment ça craint? Et là, on est dans un parc pour bambins, mais il n'y a pas de bambins, ça me saoule. Ça me saoule. Et elle peut courir partout, mais elle a pas. Attendez, il y a peut-être un autre truc. Ça, c'est jeu d'enfant. Ouais. Il y a un truc pour les bambins, je sais plus. Je crois pas, hein. Je crois que c'est ça. Et il y a une meuf qui s'est foutue à poil devant nous, on en parle ou pas? Non, mais il n'y a pas un autre truc, hein. Accueillant, machin, bonnes écoles, on s'en branle. Lieu d'études, chouette pour les étudiants, les chats, les chiens, paisible, quartier d'ado. Non, il n'y a pas. Ah, GG! Faire des clips alors sur. Sur Kik, c'est cool ça. C'est très cool. Comment on fait pour que les bambins ils viennent? Avec leurs parents, évidemment. On va rajouter convivial, peut-être que. C'est où déjà? Ah bah j'ai déjà mis, je suis con. Non bah je ne vois pas. Il y a une fête pour les bambins, mais il faut déjà les connaître, alors ça sert à rien. C'est nul. C'est nul à chier, remboursé. Bon, alors là, on se pèle le cul sous la pluie, et ça veut pas me valider le fait qu'elle court. Alors qu'elle court, la maladie d'amour. Elle court, la maladie d'amour. C'est beau. J'espère que vous avez kiffé. Je vous en referai. Elle court. Ah oui, j'ai pas vérifié en plus si mon micro était à fond ou pas, mais je crois pas, je crois qu'il est bien là. La maladie d'amour. Vous êtes quand même mauvaise langue, hein. Il y a plein de gens qui s'endorment en m'écoutant. Ça veut dire que j'ai une voix douce, hein. Je suis désolée, mais au bout d'un moment, il faut écouter la vérité. Hein. Ma voix est douce, apaisante, voilà. Hein. Que des rageux qui disent que je crie. Rageux. Mais je suis contente parce que je commence à avoir un peu plus de souffle. Voilà, c'est cool ma vie. Et je peux tenir les notes un petit peu plus longtemps. Bah c'est bugué encore. Hein. Moi je m'endors quand tu parles. Alors dit comme ça, je sais pas si c'est si c'est très flatteur. Dit comme ça, ça veut dire un peu... Tu me fais tellement chier que je m'endors quand tu parles. Non mais d'accord, Miss. Hein, très bien, je note. Je note. Cessez vos discours de rageux. Putain, quelle connasse. Bon bah, il va jouer à la poupée, hein, si tu veux. Ah, je suis déçue. Ouais, si tu veux, t'es joyeux. Je veux un bambin. Un bambin. Bambin. Horrible. C'est pas grave, j'ai remarqué qu'avec l'heure, plus le live avance, plus je suis fatiguée. Et donc, vers la fin du live, je crie plus trop. Mais au début, c'est vrai que j'ai tendance à pousser un peu... Les octaves. Ouais. C'est ce qu'on dit, Miss. Hein. C'est ce qu'on dit. Alors, attends, fais voir la... Séance de jeu entre bambins. Ouais, mais il faut les connaître, on est d'accord. Gardien qui invite. Et bien voilà, on n'en connaît aucun. C'est de la merde! Donc, va falloir que j'aille voir toutes les familles.
Bah, je crois qu'il va aller voir ailleurs parce que le jeu, on n'a rien à... Enfin, moi, j'ai dit, je sais pas... Enfin, il n'a pas dit, elle m'intéresse. Il a juste dit, j'ai envie de passer du temps ou je sais pas quoi. Bah, genre, un peu, je veux être pote avec cette personne, mais... En fait, c'est ce que je disais, ça fait chier. Tu fais des histoires à tes films et dès que tu vas jouer dans une autre famille, c'est la foire à la saucisse. C'est n'importe quoi. Ils n'en ont rien à foutre d'être en famille. Ils vont baiser à gauche, à droite, ils vont faire des petits, je sais pas ce qu'ils font, pourtant j'ai tout désactivé, hein. C'est nul. Bon, bah écoutez. Non, attends, porte-lui l'habit, tu vas la rentrer, enfin tu vas la ramener, pardon. On va pas la laver, n'importe quoi, on va prendre dans ses bras. Et rentre avec elle, s'il te plaît. Allez, mais non, mais ça saoule, a pas marché. Bon, bah toi, rentre. Rentre! Voilà. Eh ben, on va aller voir toutes les familles. Non, sérieux, ça me saoule. C'est nul. Oh, je veux le faire au hasard. Si je vais voir les familles, il n'y a plus de hasard. Mais il n'y a pas un truc, genre une crèche ou une... Il n'y a pas un mode avec une crèche? Y a pas un mode où il y a la crèche? Est-ce que vous pouvez regarder s'il vous plaît? Parce qu'à la limite, s'il y en a un, on le fout vite fait. Et puis au moins, on pourra rencontrer les bambins sans que... Sans qu'on ait à tricher, entre guillemets. Parce que là, c'est de la merde. On est d'accord que c'est de la merde. Tu sais, une crèche comme si c'était un lycée ou un... Ouais, un lycée, comme le mode de go to school avant qu'il fasse année lycée qui est bugué. Il y a peut-être un mode crèche, je sais pas. Parce que, en plus, j'ai mis des familles un peu partout. Moi, je vais pas m'amuser à aller dans les 40 villages, là, 26, je crois, il y en a. Pour revoir tout le monde, c'est nul. Ça enlève toute la. Bon, ça enlève tout le fun. Vous pensez pas? Ou alors, on va dans ce parc-là. Peut-être qu'il y aura des. On va pas y aller avec le père, on va juste y aller avec l'habit. Nul. Même dans le nouveau terrain des activités, il n'y a pas de bambins non plus. Ouais, bon en fait il neige, alors je doute qu'il y ait du monde. Hein. Il va peut-être y avoir des enfants, mais attends, il neige. Il est 20h30. Oui, Krugal? Vous voulez quelque chose? Tu viens? Tu viens, mon faut pas se presser, hein. Tu viens, mon bébé. Viens. Oh là là, le petit chat. Qu'est-ce qui se passe à miaouter comme ça? Ça va pas, non? Ton cul. Ton cul. Oh le bébé. Oh le bébé chat. Oh le bébé chat. Pout 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 pout. Pense que vous me parlez plus. Il y a bien un mode crèche. Ah! Attends, je vois plus le chat parce que gros gars a mis son cul devant. Hein, mon bébé? Attends, est-ce que tu peux me l'envoyer en privé, s'il te plaît? Comme ça, je vais regarder. Puis on va le mettre, hein. Ouais, t'inquiète. On va le mettre, hein, si ça peut nous... Si ça peut nous... Si ça peut nous aider à nous faire des potes. Allez, on sauvegarde. Attendez, je vais activer les modes. Merci, Missou. Hop. Je vais DLC à Vitef. Ah, puis en plus, c'est Maya Game, donc elle a du trad et tout. Trop bien, parfait. Parfait, et très bien cette dame.
jamais vous voulez des mods, elle fait plein de vidéos où, apparemment, il n'est pas encore traduit. Bon, c'est pas grave, on s'en fout. Alors, faut juste que je vois comment on le télécharge. Tout tout doux. Je mets ça là, c'est bon. Ouais, c'est bon. Vous ne voyez pas. Elle est très bien cette modeuse. Voilà, c'est ce que je veux dire. Enfin, c'est pas une modeuse. En fait, elle traduit. Elle découvre les CC, les mods et tout ça. Puis elle les traduit, elle explique et tout. Et tout le tutti quanti. Mais alors, est-ce que c'est vraiment une crèche? Attendez. Oh, c'est nul. J'étais sûre qu'il y avait. Oh, ça me saoule. On perd du temps là pour rien parce qu'ils sont pas foutus de faire un truc bien. Faut que je devienne contributeur pour DL le mode. Qu'est-ce que c'est que ces carabistouilles? Un Trello est disponible, Lénia. Attendez, ça a l'air compliqué. Mais je vais y arriver, vous inquiétez pas. Oui, ben ça c'est un mode pour être mannequin, ça ne m'intéresse pas. Oh, tellement de mode. Au secours! Ah voilà, c'est celui-là. Mais comment je le DL? Bonjour à toutes et tous, bienvenue. Calmez-vous! Qu'est-ce qui vous arrive? C'est Maya, elle s'est lancée toute seule. Elle m'a fait peur. Bon, bah. Bon, je vais pas perdre 30 minutes à installer Amon parce qu'il faudrait que je regarde la vidéo, je pense, la vidéo tuto et tout ça. On va pas y passer 8 ans, hein. Donc, ce que je vais faire appel à vous, mesdames et messieurs. Non, non, mais t'inquiète, Miss, t'excuse pas, j'avais qu'à prévoir avant. Hein. C'est déjà bien gentil de m'avoir envoyé le truc. Donc, ce qu'on va faire, messieurs, dames, c'est que vous allez choisir. Voilà. Vous allez choisir un monde. Chacun votre tour. S'il vous plaît. Et moi, je vais l'écrire. Alors, ne choisissez pas Newcrest ni Magnolia Promenade. Il n'y a pas de maison dessus. Les autres, je sais plus. Mais ces deux-là, c'est sûr qu'il n'y a pas de maison dessus. Donc, les choisissez pas. Vous en choisissez un. Si vous ne savez pas le nom des trucs, vous mettez le numéro. Hein, vous comptez. 1, 2, 3. Non, bah non. 1, 2, ouais. 3, 4, 5, 6, 7, etc. Donc, pas le 2 et pas le 4. Pas le 3 et pas le 4. Je sais pas compter. Oh, je suis fatigante. Vous choisissez et on ira explorer les quartiers que vous avez choisis. Et une fois que vous aurez choisi les quartiers, bah, on ira faire la connaissance de toutes les familles qu'il y a dedans. Et s'il n'y en a pas, bah, il n'y en a pas. Mais voilà, au moins ça fera un peu de hasard. Moi, je sais plus où j'ai mis les familles de toute façon. Ça fera un peu de hasard et puis comme ça vous participez. Alors 9. 9. Je crois que c'est Del Sol Valley. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ouais, c'est ça. Donc Del Sol Valley. Oh non, je sais qui il y a. Oh non. Oh mon Dieu. Del Sol Valley 13, c'est Brit. Bah non, Bridgechester, il n'y a personne non plus. C'est le truc universitaire, je n'y ai pas touché. Bah choisissez un autre, s'il te plaît, Missou. 5, Windenburg. Oh, je sais aussi qui il y a. Ah, en fait, je me rappelle.
Hop. 14. 14, c'est Evergreen truc. Evergreen à bord. Là, je sais plus qui y a là-bas. Et s'il n'y a pas de bonbons, bah on ira ailleurs. J'attends voir si Didi propose ou Kiki. Parce qu'ils étaient là tout à l'heure. Je sais pas s'ils sont toujours là. J'attends un petit peu. Vous allez pas être déçus à mon avis. Aïe aïe aïe. Et je crois que j'ai encore mis personne non plus ici, mais je sais plus. Je sais plus. 16. 16, c'est le mont Komorebi. Très bien. Ah, je sais qui y a. Hop. Et si Didi est là, il est peut-être reparti. Vous savez même pas le nom? C'est honteux. Moi, je les connais tous. Ah oui, en plus, avec ma grosse tête, on voit pas Copper Deal et Sand Segoya. Sequoia. Segoya. Sequoia. Je les connais tous. Il y a le premier. Le deuxième. Le troisième. Non, je crois que c'est Willow Creek, Oasis Spring, New Christ, Magnolia Promenade, Windenburg, que j'arrive jamais à prononcer, San Michuno, Forgotten Hollow, Bridgeton, je ne sais plus. Je ne sais plus le nom. B. Bridge Truc B, bon. Del Sol Valley, Strangerville, Sulani, Glimmer, je sais plus quoi. Bridgechester, Evergreen machin, mais heureusement que je l'ai lu tout à l'heure parce que je l'ai oublié. Mont Komorebi, je sais plus le nom du truc à la campagne. Tartosa, Moon Hill, je crois, Moon Hill quelque chose. Copperdale et Saint Segoya. C'est quoi celui-là? Ah, c'est ça. Enford on Bagley. Comment tu veux que je retienne ça, moi? Bridleton. Voilà, c'est presque Bridgerton. Excusez. Et Glimmerbrook. Ah, les noms de merde. Bon, alors, ça nous fait... ok, allez, on y va. Bon, on retourne ici, en fait. Bah, on va quand même les coucher, parce que là, je crois qu'il est tard. C'est ça. Les chroniques de Bridgerton Bay. On va les coucher, hein, parce que bah, il est 20h. Voilà, il est 20h. Non, on va manger d'abord. On va la mettre dans sa chaise. Allez, pose-lui l'habit. Mon petit bébé, on va aller te donner à manger. Oh, oui. En plus, elle est difficile, cette petite conne. Regarde, les bons macaronis froids. T'es contente? Et toi, tu reviens, t'es parti où? T'es parti courir les jupons ou quoi? Hop, allez, tout le monde mange les macaronis. Là, maman, elle a pas eu le temps de faire à manger aujourd'hui. Oui, bon, il y a du poulet aussi. Hein. Oh putain, on en fout partout. Regardez cette sale mioche. Dégueulasse. En plus, on l'a même pas déshabillée. T'sais. Elle mange avec son bonnet et son gros manteau. Bon, elle a l'air d'aimer les pâtes, hein, pour quelqu'un qui aime rien. Ça fait rêver les macaronis froids. Ouais, pas trop. Les pâtes froides, à la limite, si elles ont rien, tu sais, tu peux mettre de la mayo et puis, je sais pas, du thon, enfin, un peu de... Tu bricoles, mais des macaronis avec le fromage froid. Ouf. Ouais, une petite salade de pâtes. Ça peut être sympa, mais là, ça donne pas du tout envie, hein. Elle en veut plus? Bon bah au lit, jeune fille. Mais de quoi je me mêle? C'est ta femme qui s'occupe de ça. Allez, hop. Voilà, si tu veux pas manger, on va pas te forcer. Hein. Tu finiras demain et puis voilà. Hein.
C'est bien, mamie. Mais en vrai, à force d'y jouer, tu les connais, hein. Ou pas d'ailleurs, parce qu'on peut s'en foutre totalement. Oui, je sais que c'est pour ça que tu dis ça, mais ça me fait rire. Genre, en fait, j'ai imaginé le truc de me retrouver devant un plat de pâtes au fromage froid. Nul. En plus, je sais pas pour vous, mais moi, quand je mange froid, quand je mange froid, un aliment qui est censé se manger chaud, je trouve que j'ai moins de saveur que quand c'est chaud. Genre bien chaud. C'est pour ça que j'aime bien manger limite brûlant, parce qu'il y a plus de saveur. Pour moi, en tout cas, je sais qu'il y en a qui s'en foutent, il y en a... voilà. Oh, c'est trop mignon. Elle a fait sourire en l'abordant, trop chou. Allez, bonne nuit tout le monde. Style de vie en danger. Ben, on s'en fout en fait. Il en aura d'autres des styles de vie. Pourquoi c'est flou? C'est bon, c'est plus flou. Ah, vous vous levez à 4h ou? Bah non, hein, vous allez redormir un peu parce que bon, 4h du mat. Personne se lève à 4h du mat. Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est le réveillon de l'an. Ok. Bon, 6h, c'est mieux que... En fait... Ah, si, c'est bon. Ah non, mais c'est prendre le petit déjeuner, c'est pas faire le petit déjeuner, c'est chiant. Je sais plus ce que je voulais dire, c'est pas grave. Ah si, servir le petit déjeuner. J'ai rien dit, pardon. On va faire des pancakes parce qu'on est samedi et samedi c'est les pancakes. Et on dit pas pancake, on dit pancake, ok? Même pancake. Pancake. Vous avez retenu? Dites pancake. Ouais, je sais, mamie. Je pensais à toi en disant ça. Toi, t'aimes pas manger chaud, mais je comprends pas. Je ne comprends pas. C'est des légumes, oui. Enfin, des crudités, comme on dit. Une crudité. Oui. Mais des trucs qui sont censés se manger chaud. C'est comme si tu laissais refroidir mes carbos. Après, t'as la crème qui stagne, t'as le fromage qui est à moitié fondu, mais pas trop. T'as les lardons, ils ont plus goût de rien. L'œuf en gelée, là? Pas du tout. Pancake. L'empreinte écologique du quartier est positive. Bah, c'est cool. Ah, bah voilà, quand même. Qu'est-ce qu'elle fait? Tu vas manger, d'accord. Moi, j'ai la flemme de faire le nouvel an. Décoré. Bon, on va au moins faire les résolutions, là. Je sais même plus où c'est. Prendre une résolution. Bon, en fait, c'est chiant. C'est sérieux, ça? Perdez du poids en faisant de l'exercice et en mangeant équilibré dans un délai de 7 jours pour tenir cette résolution. Nique ta mère. Allez, c'est bon. Hop. Pas de nouvel an. Ils fêteront pas. Ouais, c'est sympa, hein. Ah, l'odeur du caca de ma fille me met en appétit le matin. Non, mais je te jure. La purée froide, jamais. Jamais tu me fais bouffer de la purée froide.
Les viandes, ça dépend lesquelles pour moi, mais globalement, ça me pose pas de problème non plus. Les croque-monsieur non plus, c'est un peu un sandwich, alors. Mais bon, les meilleurs, c'est ceux de Ruru et son meilleur chou quand même, hein. Mais oui, les manger froid, c'est pas un problème. Mais la viande, ça dépend aussi comment elle est préparée. Parce que je suis désolée, hein, mais la blanquette de veau froide, le bourguignon froid, ça va pas le faire. Hein. Ça va pas le faire du tout! Tu vas me fâcher! Le poulet froid, ouais, c'est trop bon. Avec de la mayo, là. Ou autre chose, d'ailleurs. J'aime bien la blanquette froide. Plus jamais tu me parles, même. Ok? Je pense que là, c'est bon. Notre amitié est terminée. Hein? Déjà, on vient d'un autre monde. C'est-à-dire que moi, je suis normande. Et tu me dis que tu bouffes de la blanquette froide! C'est fini. Je ne veux plus te parler! Les saucisses froides, ça va aussi. La choucroute froide aussi! Écoute, bah c'est simple, la prochaine fois qu'on se voit, mamie, je te sors une boîte de choucroute et tu la boufferas froide! Un cassoulet froid! Un sup! Les frites de Golden, tu les mangeras froides! La meuf s'énerve. Bon, le labi, on a fait des pancakes, tu les manges pas. Qu'est-ce que c'est que ça, là? Mange! Mange le pancake. C'est bon, c'est maman qui l'a fait. C'est 100% maman. Mais calmez-vous. Non, c'est honteux! Honteux! Le pain de viande de Golden, tu peux le manger froid, ça va. Mais pas la blanquette! Ah bah si, si, les frites froides, hein, de toute façon, là t'as pas le choix, ma vieille, hein. Chais! Ah, tout bon fait froid, non, mais cassoulet froid. Mais t'as un palais éclaté, mamie, hein. Je suis navrée de te le dire, hein. Mais là, c'est pas possible, hein. La meuf, elle va aller dans un restaurant 4 étoiles, là 5 étoiles, je sais pas combien d'étoiles il y a, puis elle va dire, excusez-moi, est-ce que vous pouvez le refaire, mais froid? Bah non. Bah non, en fait, madame, ça marche pas comme ça ici. Si vous demandez ce que je suis en train de chercher, c'est changer de tenue. Voilà. On te casse les froids. Bref, on va bouger, hein, parce que là, c'est pas possible. On va commencer avec Del Sol Valley. Mais alors, je sais pas si j'ai bien, si j'ai monté les enfants ici, parce qu'il y en a deux. Tu me déprimes, mamie. Arrête de parler, s'il te plaît. Ah, je les ai laissés nourrissons. Je crois, hein. Ah, peut-être pas. Non, c'est bon. Bon, bah, écoutez, on va voir. On va voir ma Simself, Ruru et leurs jumeaux. Enfin, pas voir Ruru, apparemment, il n'est pas là. Ouais, j'aurais quand même préféré qu'on voie des gens de ce que vous avez fait, pas les miens. Bon, c'est pas grave, au pire, on choisira un autre. Oh, la musique de merde. Quelle daube. Bonjour, ma. Ah ouais, non, elle va être chiante, une star. Oh, chiant. Bon, et toi? Ah, mais chiant aussi, t'es une star. Vous nous faire un AVC là. Bon, est-ce qu'on peut aller voir les jumeaux, s'il vous plaît? S'il vous plaît. Ah, il a réussi? Pas trop, hein.
Bon, va frapper. Je vois les jumeaux, moi, Léane et Maxime. Ah, Ina. Non mais arrête de braire comme un poulet et puis papote, je sais pas. Bah c'est mort hein. C'est très très mort. Non, reste ici sous la pluie, Ruru. Ah, c'est mort. Désolée, je pourrais pas être pote avec mes gosses. Parce qu'ils sont célèbres et que je ne suis pas sur leur liste de merde. Bon, bah Oscar, tu peux choisir un autre chiffre. Bah t'as tout raté, Light. Enfin, Kiki. T'as raté Mamie qui mange en cassoulet froid, c'est une ignominie. Je crois que c'est comme ça que ça se prononce. Et en plus, on a été voir Massimself et les jumeaux, là, et ils ont dit « Ah non, désolé, nous, on est des stars, vous rentrez pas chez nous. » Donc, voilà. Oscar, tu peux choisir une autre ville, si tu veux. 7, donc, c'est celle-là. Oh, punaise. Fort Gotham. Bon, en attendant, on doit aller à Windenburg. Ah, c'est mardi. Il y a une famille. Vous allez pas être déçus, les gars. Je vous présente cette dame. Mais je crois qu'on l'avait vue. Et puis la petite, là. Voilà. Oui, ça va être rapide. Non, mais je suis toujours buggée sur le cassoulet. Parce que figurez-vous que j'en ai mangé ce midi. Et je suis désolée, hein, mais quand je vois la sauce gelée, ça donne vraiment pas envie. Je vais pas m'en remettre, hein. Je vais pas m'en remettre. Et elle mange ça froid. Au secours. Oh, j'imagine le truc sorti du frigo. Là, ça ressemble à air. Ça a pas de goût. Ça a goût de froid. Mon Dieu. Attends, Élise, reviens. On n'est pas obligé de sympathiser avec ta mère. On peut juste sympathiser avec toi. Voilà. Oui, un petit chaton. Il est trop mignon. J'ai un petit chat. Il est trop mignon. C'est un gros con. Tu feras moins la fripouille quand t'auras plus de couilles. Pardon. Excusez-moi. TikTok me ravage le cerveau. Sachant que ce n'est pas moi qui regarde TikTok, c'est Ruru. Ben voilà, c'est bon, elle devient copine. Elle devient une copine. Ça devient copine, voilà, tout ça, tout ça. Bah, présente-toi, toi, sinon on va pas pouvoir l'inviter. Oh, elle a pas l'air très contente. Qu'est-ce qu'elle a? Burk pas bon. Donc elle n'aime pas les macaronis. Elle n'aime pas les pancakes. Tu vas manger du cassoulet froid, toi aussi. Ah, putain. C'est bon, tu t'es présenté? Ouais, c'est bon. Attends, mais parle-lui, elle est trop chou. Parle-lui. Parle-moi de toi. Regardez, on va faire un petit zoom sur la petite Élise. Alors, pour l'histoire, c'est Élise qui m'a fait cette famille. Je pense qu'elle n'a pas compris quand j'ai dit que je voulais des familles un peu sérieuses. Mais j'ai accepté parce qu'il y a une histoire et ça peut être un peu fun. Donc, l'histoire, c'est que la sorcière que vous avez vue, elle a kidnappé cette petite fille à l'époque. Qu'est-ce qu'elle a sur la gueule? Ah, c'est le froid, je suis con. Elle a kidnappé cette petite fille quand elle était nourrissonne, voire bébé, et maintenant, bah, elle s'en occupe. Voilà. Mais elle est censée pas être gentille, mais je crois qu'on l'a déjà vue, qu'on l'a déjà rencontrée, qu'on lui a déjà parlé. Il me semble. Ouais, c'est ça. Bon, maintenant, les filles, là. Devenez copines. Ah, c'est moi qui l'ai habillée comme ça. Ça se trouve, Élise va pas aimer du tout, mais c'est pas grave. Enfin, elle me dira comment corriger, mais je la trouvais trop mignonne, là. J'ai un petit chat. Il est trop mignon. Ouais, une sorte de réponse. Ouais, c'est vrai, vu comme ça. Après, la pauvre sorcière, elle est pas gâtée, hein, la Liana, là. Elle est où? Elle est où? Elle a disparu. Elle était là il y a 2 secondes. Voilà. Admirez la bête.
C'est pas ça, hein. C'est bon, c'est un peu de l'art contemporain, hein. Cela dit, c'est une vraie sorcière, voilà. Magnifique. C'est pas grave. Vous pouvez faire des Sims moches, enfin moches, un peu loufoques, on va dire plutôt, s'il y a une bonne histoire derrière. Mais abusez pas non plus. Si vous voulez vraiment faire des horreurs, il y a le sang bébé pour ça. Hein. Bon, t'arrêtes de parler à ta fille elle parle à l'inconnu là. Oh, chiant. On va lui raconter une histoire. On peut lui faire un câlin. Non, c'est la foire à la saucisse ici. Barrez-vous. Barrez-vous, con de mime. Belle de loin, mais loin d'être belle. Exactement. Ah oui, alors elle est trop fière parce qu'il y a Bertie là. Bertie, hein, dédicace à tous ceux qui savent qui elle est. Et sinon, bah, elle est sur ma chaîne. Bon, au moins, on a rencontré la petite Élise. Donc, ça nous fait déjà une copine, on va dire. On va aller ailleurs. Parce que pour le moment, il suffit juste de rencontrer des gens. On n'a pas besoin d'être super potes pour pouvoir les inviter. Alors, Evergreen, machin. Je sais plus qui il y a. Il y a une famille, c'est qui? Ah oui, bon, bah, ça nous intéresse pas trop. Je suis désolée, hein, Braise et Mamie, mais vos chats sont sympas, mais vous n'êtes pas des bambins, hein. En plus, vous êtes des stars, vous allez encore nous mettre des vents. Enfin, Mamie, en tout cas, c'est une star. Braise, je sais plus. Donc, Mamie, tu peux rechoisir un autre quartier. Parce que je crois que c'est toi qui avais pris. Ah non, c'est Miss. C'est Miss qui avait pris Evergreen. Tu peux en choisir un autre si tu veux. Mamie, t'avais choisi quoi? T'avais choisi un truc, Mamie? Ah oui, t'avais choisi Windenburg. Oui, c'est ça. Ouais, ça miss d'en choisir un. Le 6! Donc, c'est San Michuno. San Michuno. Ok, bon, pour le moment, on va au Mont Komoribi. Je sais plus qui y a là-bas. Ah, il y a deux familles. Bon, celle-là, ça sert à rien qu'on y aille parce qu'il n'y a pas de bambin. Il y a un bébé et il y a une enfant. D'ailleurs, mamie et. Et Miss, vous reconnaîtrez, c'était notre partie de multi, mais le mode multi, bah, il est buggé. Ah, voilà. Alors, il y a eux, mais c'est aussi. C'est aussi mes Sims. Bon, c'est pas grave. Bon, toi, t'es pas obligé de venir, en fait, hein. C'est mes Sims. Je l'avais faite, la meuf, à la sortie de Escapade enneigée. Et je crois que je l'ai mariée à un Sims. Soit c'était un Sims random, soit c'était un Sims de mamie que je lui avais piqué dans la galerie, mais je suis pas sûre. Ah, il est là, le gosse. On n'a même pas besoin de frapper à la porte. Il a bugué. J'ai un petit chat. Il est trop mignon. Kiki, t'as choisi un numéro, je sais plus. Moi aussi, oui, c'est toi qui avais choisi le. Bah, Missou et Osk ont une couronne dans le chat parce qu'ils sont modos. Et toi, t'es censé avoir un logo aussi. T'es censé avoir le logo VIP, mais il s'affiche pas. Je sais pas pourquoi. Nya. Bon, bah écoutez. Mais apparemment, il pige rien, inconnu, hein. C'est ça. Regardez-moi cette vieille jalouse de mamie là, c'est insupportable. Hein. Et pourquoi eux ils ont et pas moi? Je te signale que c'est toi qui veux pas être modo, hein. Non, VIP c'est un autre slogan. Mais de toute façon, tu passes ton curseur dessus, c'est écrit. C'est un autre slogan, mais il veut pas s'afficher. Normalement, il y a toi, il y a mon frère et il y a Golden, mais ça veut pas s'afficher, c'est trop bizarre.
Enfin, j'ai mis comme sur Twitch, hein. Après, peut-être que c'est un petit bug, je ne sais pas. Fais-lui un câlin. Arrêtez de parler avec la mère. Arrête de leur parler. Regarde-les juste. Il est bugué, hein, ce pauvre enfant. Oh, c'est mignon. Ils t'ont fait un câlin. Allez, on se casse. Ma Kiki, tu peux en rechoisir un si tu veux. Et Mamie aussi, vous pouvez en rechoisir un. Comme ça, on tourne un peu. C'est un peu plus... Finalement, on va peut-être tous les faire. Mais je sais pas, le fait que vous choisissiez, ça me dérange moins que j'y aille moi-même. Et c'est un peu plus fun, ça vous fait participer. Ça nous fait interagir. Donc Mamie, choisissez. Mamie choisit et Kiki choisit une autre ville. On a déjà fait... Donc cela, c'est pas la peine. On a déjà fait lui. On va faire lui. On va faire lui. On a déjà fait lui. Il y a personne non plus à Strangerville, je crois. Je suis pas sûre. Ok. En fort, je sais qu'il y a là-bas. Je sais qu'il y a au moins une famille. 8. Ok. Et Brindletownby. Coucou Brézou, comment tu vas Brézou, tu tombes bien, choisis une ville s'il te plaît. Sauf... Alors attends. Sauf New Christ, Magnolia Promenade, Windenburg, San Michuno, Forgotten Hollow, Brindleton Bay, Del Sol Valley, Bridgechester, Evergreen Harbor, le Mont Komorebi, Antfort machin et voilà. Ouais, t'inquiète, hein, tu viens quand tu veux, c'est ouvert, hein. Tu pars quand tu veux aussi. Et si tu veux pas venir, tu ne viens pas, c'est pas obligatoire. Bridleton Bay. Voilà. Attends, mais c'est quoi ce nom de coucher? On Bagley. Il y a des gens qui arrivent à bien le prononcer ou c'est juste moi qui suis une sale merde? En gros, pour faire plus simple, tu peux choisir entre Willow Creek, Oasis Spring, Strangerville, Sulani, Glimmerbrook, Tartosa, Moonwood, Copperdale et San Segoya. Bon bah je pars. Bon bah bisous Brez, merci d'être venu. Parce qu'en fait, on pensait rencontrer des bambins dans le parc, sauf qu'il n'y a que des gosses qui viennent, il n'y a pas de bambins. Ensuite, on a essayé de voir pour installer le mode à la crèche, mais j'ai pas trouvé. Et je voulais pas qu'on y passe une heure, donc bah maintenant, on fait un peu au pif, on va voir les familles, mais c'est vous qui choisissez où on va. Voilà. Il y a un petit décalage, c'est pour ça que j'attends, je suis navrée. Tilalidou, en attendant, je vais chanter. Et chanter le temps que Braise choisisse une ville. Ville. Abeille. Pardon. Vous n'avez pas la ref, alors ça va pas le faire. C'est dans My Little Pony. Il y a une chanson qui est chantée par Fluttershy quand elle arrive sur la Terre, parce qu'au début elle est que dans le monde des nuages parce que c'est une Pégase. Henriette Bagel, mais qu'est-ce qu'elle raconte? Je te demande de choisir une ville qui n'a pas été choisie. Donc Fluttershy arrive sur Terre et elle se rend compte qu'il y a plein d'animaux et elle commence à chanter « Quel est cet endroit d'où viennent toutes ces merveilles ?» Fluttershy, c'est celle qui est timide. Donc et puis pendant la chanson, elle sort un « Abeille !» Enfin, elle chante mieux, mais c'est super fort et ça surprend un petit peu par rapport à tout le reste de la chanson. Donc ça a été repris, c'est devenu un mème. Voilà. Vous savez tout. Bipou. Bah viens mon chat. T'es malheureux. Oh, bah, chercher la chanson. La chanson, c'est... Bah toutes ces merveilles, je crois, de... Bah après, j'exagère, hein. Parce que ça a été repris, amplifié, c'est... Moi, quand je l'ai entendu la première fois, j'ai pas trop réagi, mais dans toutes les conventions où j'ai été après, voilà, quoi, tout le monde... tout le monde était en mode... Abeille! N4, c'est déjà pris!
trop de balles. La tarte aux arts, moon truc, ça, 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 ça. Voilà. En fait, il reste. C'est celle-là. Ah, et puis c'est de là aussi, je suis con. Bah, parce qu'il est modo, le bot! Oh! Mamie! Je suis obligée de mettre le bot modo pour qu'il ait les droits de faire les commandes, d'envoyer des liens et de vous ban, tout simplement. Tartosa. Merci, Braise! C'était rapide, c'est bien. Je suis une connasse, t'as bien fait de venir, hein. Elle va regretter d'être venue. Mais en vrai, c'est pas si horrible, hein. C'est pas si horrible. Ah oui, il y a du monde ici. Parce que Miss Yoko, elle s'amuse à me faire des familles avec 90 bambins. Ah, il y a Golden aussi. C'est vrai, je l'avais mis dans un endroit où il fait gris. Parce qu'il m'a dit, je veux un endroit où il fait gris. La petite de Bertie et... Maria, on pourra pas la voir puisque ce sont des célébrités. D'ailleurs, elles m'ont fait des jumeaux. Je sais pas pourquoi. Je ne sais pas comment. Mais elles m'ont fait des jumeaux. Ça me fait bien chier. T'inquiète, vrai, je te taquine. Hein. Ah, mais... Donc, bon, on va essayer. Au pire, on essaye, mais je pense que... Je pense que ça va être compliqué. Après, je t'en veux pas, Braise, j'ai expliqué 15 trucs en même temps, tu venais d'arriver, tu poses tranquille tes bagages, t'es agressé, enfin bon... T'as le droit, hein, t'as le droit de pas tromper. Ah, ça y est, elle est là! On peut lui parler! Coucou, Léontine! Elle s'appelle Léontine, pauvre enfant. C'est moi qui l'ai appelée comme ça, en plus. Non, mais cours pas, là! Va voir Léontine! Léontine, c'est ma copine! Oh là là, soi-disant, il y a du vent. Je suis ravie d'être là. Bah, j'espère bien que t'es ravie. De toute façon, vous pouvez pas rentrer. Ça sert à rien de monter les escaliers, morue, là. Cette maison, c'est Moski qui l'a fait. Voilà. On devait faire des vidéos ensemble. Et puis, il s'est passé plein de trucs. On n'a pas pu les faire. Mais on devait faire un let's play ensemble. Et il avait construit cette jolie maison. Parce que c'est un dieu pour faire des manoirs gothiques. Vous savez tout. Et j'avais envie de l'utiliser pour qu'il serve quand même à quelque chose. C'est bon, ils sont potes. Je suis un bambin, j'ai fait gnou gnou gnou. Pouh, j'ai chaud à force de brère, moi. Brère comme un aigle. Oui, arrête de lui parler.